Alors bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter la radio CRT 4CF de chez CRT France. Elle m'a été envoyée par René Hazlet de chez Rock the Outdoor qui vend cette radio sur son site en ligne. C'est un petit émetteur récepteur UHF VHF bien sympa. Alors on va déballer ça. Dans la boîte, nous avons donc le chargeur et son transfo, une antenne, un pack batterie, la radio en elle-même et une pince pour attacher à la ceinture. Le montage est simplissime, hein, simplement visser l'antenne, clipser le pack AQ et allumer la radio et c'est parti. Pensez à bien charger la queue, hein. Il faut un certain temps. Une fois la LED devenue verte, la radio est chargée. En tournant la molette de droite, on allume la radio et on règle le volume. On voit tout de suite qu'il y a deux fréquences qui s'affichent sur l'écran. La fréquence de laquelle on émet a une petite flèche du côté gauche, mais on est de toute façon en veille et en écoute sur les deux fréquences. La fréquence d'émission est indiquée par une petite flèche triangle sur le côté gauche. Pour changer la fréquence d'émission, il suffit d'appuyer sur la touche B Main qui permet de passer d'une à l'autre. Alors, une manipulation utile est le réglage de la fonction squelch, c'est-à-dire le réglage du niveau de bruit de fond sur la fréquence où vous opérez. Donc, une poussée sur la touche PF. 2 maintenu et on règle avec la molette du milieu qui permet de régler le niveau de sensibilité au bruit de fond de la fréquence. Quand on tourne le bouton de sélection, on peut régler le niveau de squelch désiré. VCM, on est soit sur le mode canal, soit sur le mode VFO. Le mode VFO est donc le mode où on doit entrer manuellement les fréquences ou alors au moyen de les régler, les ajuster au moyen de la molette ici. En fonction de l'incrément, le pas qu'on a décidé auparavant. On peut les mettre en mémoire, donc en utilisant les fonctions CVM qui permet de mettre en mode mémoire, mode canal. Donc on voit ici canal 1, et si je tourne la molette, passe au canal 0, les fréquences qui sont mises en mémoire. Avec deux fréquences, si je change celle-ci et je passe de VCM, je suis donc également sur ces canaux qui sont mis en mémoire. Et je reviens sur le mode VFO. Lorsque j'ai sélectionné une fréquence, je veux la mettre en mémoire et donc je vais faire une courte poussée sur la touche A Function, suivie d'une courte poussée sur la touche CVM. Ce qui me permettra de choisir un des 99 canaux disponibles. Une fois mon canal sélectionné, je fais une poussée courte sur A Function, suivie d'une poussée longue sur CVM. La fréquence est maintenant enregistrée comme un canal dont il est possible d'en avoir 99. 99 canaux qui sont disponibles pour les deux bandes. À savoir qu'en Belgique, il est possible d'avoir 99 canaux. Une autre fonction très intéressante de la radio CRT 4CF est la possibilité de faire une écoute sur les bandes AM ou FM ou longues. Une pression courte sur le bouton fonction, ensuite le bouton 1 FM. Et nous arrivons donc au réglage, donc par clavier ou par molette, de la fréquence FM désirée. Une pression sur le bouton fonction et le bouton bend permet de passer de FM au mode AM.
Notez que si vous avez activé la fonction d'écoute de la fréquence FM ou AM ou toute autre des fréquences en écoute, elle sera automatiquement interrompue lorsque quelqu'un émet sur une des fréquences que vous avez sélectionnées dans votre émetteur. Et la réception FM redémarrera lorsque l'émetteur aura cessé d'émettre ou lorsque vous aurez cessé d'émettre. Chacune des bandes disponibles en réception uniquement dispose également de 99 canaux mémorisables. L'enregistrement d'un canal procède de la même façon qu'en mode émetteur-récepteur, c'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas en mode canal, on peut entrer une fréquence de manière manuelle au moyen du clavier ou de la molette. Ensuite, une poussée courte sur A fonction et une poussée courte sur CVM permet de sélectionner un canal libre et on enregistre ce canal en appuyant brièvement sur A fonction et une poussée longue sur CVM qui mémorisera le canal. Là, j'ai lancé le programme de configuration de la CRT4CF. Et par défaut, donc, le programme est configuré pour vous permettre de recharger le programme par défaut sur votre radio. Donc on a les différents menus ici du programme et tout. Donc c'est un logiciel qui s'adresse aux personnes expérimentées. Il y a pas mal de menus d'options de configuration de la radio dont on n'a pas besoin dans notre pratique. Ce qui est bien, c'est que directement on peut soit charger ou décharger ce qui se trouve directement sur la radio, donc avec les boutons qui sont ici, les in et out. Et donc si on a fait une erreur de manipulation, on peut directement, on branche la radio et on recharge donc la programmation par défaut qui se trouve ici directement avec le petit bouton Write to Radio. Maintenant, par exemple, on peut aussi, si on a un fichier à soi, pour une compète ou n'importe quoi, ou qu'on veut mettre à plusieurs personnes, ben, on peut l'ouvrir. Et là par exemple, ben, j'ai chargé avec les fréquences que j'utilise le plus dans la région, et les fréquences FFVL, sécurité et de chat donc, qu'on a ici. Et c'est donc ici pareil, si je vais dans les autres, donc dans la radio, ben, c'est la radio, on ne l'utilise pas trop. Dans les fréquences AM, ben, sont les fréquences des espaces aériens que je dois écouter le plus souvent. Donc ici, Bruxelles Information, Belgar Radar et Saint-Hubert. Ce qui permet de les écouter en plein vol et de les avoir déjà sous les numéros 1, 2, 3, 4. Dans les channels habituels, ici on peut aussi nommer directement les channels qu'on va utiliser. Le reste des options, ben, il suffit de le laisser par défaut. Et directement, alors à ce moment-là, on peut pareil faire Write to Radio quand on est branché sur la radio pour pouvoir mettre à jour le logiciel interne de la radio. On peut sauver, on peut les modifier, on peut les envoyer, donc ça permet vraiment de gérer absolument toutes les fonctions. Par exemple ici on va aller dans fonction setup, donc ici on a toutes les options de configuration de la radio qu'on retrouve directement dans les accès des menus par exemple. Et on va pouvoir aller faire enable les écoutes AM en permanence dès qu'on va lancer la radio par exemple. On va pouvoir choisir le backlight colors, donc par défaut ici si on regarde le backlight colors il est orange, voilà, donc il passe au mauve. Enfin, sur une radio qui a déjà été programmée, quand on chatte on est au mauve et puis sinon le backlight est bleu, donc c'est des petits détails comme ça qu'on peut changer en fonction de vouloir de chacun. Donc ça permet vraiment on peut choisir les starting display, donc les deux fréquences qui vont apparaître automatiquement dans les deux fréquences de chat par défaut. Donc il y a vraiment moyen de tout configurer, le timer du time out, absolument toutes les options donc de la radio.
et même d'aller beaucoup plus loin en fait dans les communications, les cryptages, des modes pour utilisateurs avancés. Si je ne vais pas rentrer dans les détails, pour notre pratique, on n'en a pas besoin. Bien voilà, pour conclure, on peut dire que c'est une radio qui est assez costaude. D'après René Hasley de Rock the Outdoor, qui en a vendu plus d'une centaine, il n'y a pas eu de retour en SAV. Le seul problème, c'est les batteries qui, si elles sont mal chargées, peuvent poser des problèmes. Donc il n'y a eu que 3 cas d'après lui. Donc il faut bien vérifier en chargeant les batteries, de les garder le plus souvent dans le haut de la charge plutôt que de laisser décharger totalement, et surtout si elles sont restées sans être utilisées pendant une longue période. Donc 2 ans de garantie sur la radio de chez CRT, mais Rock the Outdoor, si vous achetez chez eux, s'engage à vous fournir une radio en remplacement si vous devez la rendre en SAV pour quel que soit le problème, pour plus de 15 jours. Donc voilà, ça passe, ça part. Sinon, très bonne portée d'après les essais que nous avons pu faire. En tout cas, les premiers essais, nous avons communication entre un pilote en vol et une personne au sol dans un champ visuel, donc sans obstacle, de plus ou moins 35 km et peut-être plus, il faut encore voir. Ben voilà. Bon vol, hein? Roger.